vivant. Amen. Quelqu'un ne veut pas que ton dossier rentre par l'ambassade. Un sorcier envoie le vent de là. Quelqu'un ne veut pas que ton commerce marche. Pendant 4 jours, envoie le vent de l'Orient qui balaye la tête de l'Orient. Mais pas ce qu'il a fait. Moi, c'est ce qu'il a fait. Et la mer a détruit le vent là. Il va détruire les Égyptiens. Ils ont tous péri dans la mer. Je suis pas rentré pour te délivrer et détruire tes ennemis. Le vent de l'Orient. Osée 13, verset 15. Allons-y. Les petits prophètes. Ephraïm, au beau être fertile, a beau être fertile au milieu de ses frères, le vent d'Orient viendra, le vent de l'Éternel s'élèvera du désert. Amen. C'est un vent qui vient du désert. Il va y voir la famille. Le vent qui vient du désert, c'est un vent très très déchant qui viendra broyer ton sorcier. Amen. Tu viens du désert. Je vois la tête là, vous voyez tout sur le chemin. Et celui qui t'a causé le tort, je vois la tête là, les balayer. Vous voyez tout ça là, nous allons regarder vers l'est. Et nous allons parler au vent de l'Orient, de venir balayer. Venant de l'Éternel, balayer. Tous les obstacles de notre vie. Mais je ne vois rien de bon pour nous. Quelqu'un dit pas yes? Quelqu'un dit pas yes? Quelqu'un dit pas yes? Le vent de l'Orient. Tu sais pas, on l'a tient envoyé sur la mer. Il faut que ce soit la chose dans ta vie. Tu as trop souffert. Il n'a pas mal fait. Il faut que ce soit la mer. Il viendra du désert. Là, vous voulez voir quand dans le bon bout du tout, on peut le voir éliminer son lit. À un moment où on aura comme un diamant. Amen. Le fond est dans les terrasses et les humidités. Amen. Vous voulez nous voir, il n'en est pas. Il y a des choses qu'on va faire tout à l'heure, il y a des choses. Et quand il faut être un homme révolté. Israël, plutôt. J'affaire à des gens qui veulent le pouvoir. J'affaire à des gens qui prennent la vie à des gens qui sont pas. Celui qui prend affaire au chéri, c'est le choix de Jésus qui lève la main, quoi. Mieux que nous n'avons pas besoin de rien, mais nous ne pouvons pas. Tu n'es pas à deux marches pas et les présenter, les présenter. Est-ce qu'on peut te tenir debout? Il y a 4 vents. J'ai parlé d'un vent seulement. Lorsque tu maîtriseras les 4 vents, personne ne pourra jouer avec toi. Je vais t'équiper. Désormais, s'il y a un petit truc, tu pars. Moi, je fais ce que je dis à Zaro. Peut-être que je rentre à Zaro. J'ai la connaissance. C'est chaud. Amen. Amen. Je sais quel ange j'ai appelé ces arabes. Oui, à ce moment-là, les arabes. Je sais. Il y a des choses que je leur enseigne. J'ai dit la sirène des eaux, il y a des dans la Bible, mais pas écrit dans la Bible. Des mots, la sirène des eaux. Oui, en même temps, il y a des démons. Il y a des démons, je vais vous donner leur nom. Celui qui a fait la foule, quand vous avez des démons, lui donne cancer des eaux. En ce moment, on a mon pied pour y aller. Et là, il y a des. J'ai la connaissance du lundi jusqu'au dimanche. J'ai ça que je dois faire. En vie pour mon âme. Je m'en fous de comment tu vas prendre mon évangile et prêcher. Dieu m'a dit, mets la vie et la mort devant toi. Mais la vie devant moi, il y a mauvais avec lui. La voix de Dieu a beaucoup de Seigneur, il a beaucoup de pouvoir. Si j'ai mis la vie et la mort devant toi, choisis. Si c'est la vie, j'ai la vie. Si j'ai la mort, j'ai la mort et la mort. Tout dépend de moi. Je vais t'équiper pour que celui de ton service qui s'est levé contre toi. Il y a un problème. Frère, l'ignorance, c'est la plus grande maladie. C'est ça, vous êtes en train de te tuer. Vous êtes en train de te détruire. Vous avez quelque chose en main. Vous êtes en train de te détruire. Quelqu'un se soit ligué contre toi. De quoi on se lève contre toi. Ligué contre toi. Et de toi, tu fais rien. Mais ça va arriver. Pas besoin de toi, rien.
Je vais te montrer des choses. Il y aura bien pas. Mais plus que des choses arrivent. Amen. Dis amen. Amen. Il y a des démons, vous connaissez leur nom. Je vais vous équiper. L'esprit te met dans ton champ. Il n'a qu'à les voler. Comment tu vas avoir les flèches? Il y a trop de choses dans la parole de Dieu. On vous fait ça. Si il dit ça, il est petit là. Il y a un ange, je t'envoyerai l'ange cette nuit. On y devrait là. Il y a un ange qui peut aller dans ton jardin, dans ta chambre. Celui qui ose faire quelque chose, qui est ceci, qui est celui. Le mort, ok, lui, il dit, mais lui, il y a un ange. Vous avez des choses où je vois ça? Il y a un cadre de tête, il y a un ange. Amen. C'est ça que je laisse ici, c'est ça? Non, c'est là. C'est l'ouest. Le c'est là, où? Ici. À l'est. À l'est. Vous savez que l'est, c'est trop dans ces traits terribles, non? Ah, vous n'avez pas eu l'autre. Quand les gens ont le cœur, il y a nous. À l'est. Non, quand on voit, toujours entre le diable et Dieu, qui copie son ami. Je vais vous montrer l'importance. Tout juif regarde vers l'est. Le juif, il n'y a pas. Non, par là, vous voyez, il y a la connaissance. Vous savez, quand il veut verser l'eau, il regarde où se lève le soleil. Que tu as besoin de connaître. Qui sont comme des côtes. Il est dans la Il faut la faire connaissance. Tout ce que tu ordonnes à lui. Mais non, là. Moi, il m'a pris orange, c'est pas zéro. Amérique, orange. Tu t'es trompé dans lui, c'est zéro, ça marche pas. C'est ça ton problème? Orange, tu le fais à l'eau. Tu vois, yes. C'est ça ton problème? La connaissance, c'est ce qui te montre. Tout le monde regarde de l'autre côté. Regardez là-bas de l'autre côté. On vous demande de regarder vers l'est. À nous allons prier. Et pendant que vous me regardez même sur le YouTube, vous me regardez sur le YouTube, regardez pendant que je parle vers l'est. Nous allons envoyer le vent de l'Orient. C'est ce vent là que Dieu a envoyé pour fondre la mer. Le vent de l'Orient. C'est une action prophétique. Tu vas lever les deux mains comme ça. À Joseph, sur son cou. Et tu vas parler pour que le vent venant de l'Éternel, le Dieu d'Israël, ce vent de l'Orient, il s'ouvre dans ta vie. Vous accordez la délivrance. Les obstacles. Ce qui vient bloquer la guérison. Fermez la porte. À combien? Thank you.
Saisis-le.
Saisis-le. Saisis-le. Je sais que l'onction va te saisir tout à l'heure. L'onction va te saisir. 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 Reçois ton miracle. Là où tu as arrêté, reçois le miracle.
Là où tu as été, reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Recevez la délivrance. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. J'entends au démon. J'entends au démon. Délivrez vos vies. J'entends au sanctuaire. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, recevez votre miracle. Amen. Recevez votre miracle. Le Saint-Esprit vous visite. L'Esprit vous visite. Sœur, reçois ton miracle. Sœur, reçois ton miracle. Ici, juste à côté de moi, ici, quelque chose se passe ici. Quelque chose est en train de se passer. Sœur, reçois ton miracle, sœur. La puissance de Dieu te touche. Elle te touche, la puissance de Dieu. Quelque chose se passe, c'est plus vie. Quelque chose est en train de se passer. La main de Dieu est en train de vous montrer. Elle vous montre maintenant. Sœur, reçois ton miracle. Yeah.
La maladie disparaît. Dieu guérit ton cœur blessé. Plein d'aventures. Il vient là. Il vient de guérir maintenant. Là où tu as été. Dieu. D'accord. Et dans ta main sur toi, et tu es encore la solution à ton problème. Reçois ton miracle. Et là où tu as été, oui, au nom de Jésus. Il est suite là. Tout ce qui a été détruit par le diable, tout ce qui a été volé par le diable, vous pouvez te restituer pour cela au nom de Jésus-Christ. Et redonne ta dignité au nom de Jésus-Christ. Reçois maintenant ton miracle. Reçois ton miracle. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Reçois là ton miracle. Reçois ton miracle. Là où tu as arrêté. Le miracle de Dieu. Ça passe sur toi. La gloire de Jésus. La gloire de Jésus. La gloire de Jésus. La gloire de Jésus. La main de Dieu sur toi. La main de Jésus sur toi. Seigneur, je ne nie ton nom.